Bonjour, bienvenue. Prenez place. Bienvenue au Niger, un pays fascinant, un plein cœur du Sahel. Vous n'aurez pas de mal à imaginer tous les défis que pose cet environnement, et ce, dans tous les domaines du développement. C'est pourtant bien ici qu'une approche innovante, novatrice comme celle de Claude Dimitra, obtient des résultats étonnants. Vous verrez lors de la visite virtuelle quelques résultats obtenus par le club Dimitra, mais sachez qu'il touche à tous les domaines de la vie rurale. L'impact est si fort aujourd'hui que le bureau de la FAO du Niger inclut systématiquement une composante club Dimitra dans tous ses projets. C'est ainsi que au Niger, nous avons, je dirais, 3000 clubs pour 100 000 membres, dont 60% sont des femmes et des filles. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour remercier sincèrement les partenaires du FMM qui permettent à la FAO d'innover et de mettre à échelle une telle approche. Ceci dit, je vais vous laisser avec Samira, notre partenaire de mise en œuvre des clubs Dimitra, qui va vous servir de guide. Bon voyage. Merci, Monsieur Attahir Maïga. Chers partenaires, bonjour. Je m'appelle Samira de l'ONG APEBA, chargée de la mise en place des clubs Dimitra au Niger avec l'ONG AEDEL. Je serai votre guide aujourd'hui pour cette visite virtuelle de plusieurs villages. Êtes-vous prêts? Suivez-moi! Nous voilà dans le village de Sodapel, dans la région de Dosso. Ici, les conflits entre éleveurs et agriculteurs sont fréquents. Mais avec le dialogue dans les clubs et l'utilisation des téléphones, la paix est revenue. Écoutons plusieurs femmes et jeunes leaders des clubs. Wato, kala kolobu gaka irgonda sande gumo inda ne suda zarma bore. Amma songo kan kolobu ka kandir se bon fere inde itali kusi inde gamera ir wafa kunda tere irgor kala sabu. Kate songo kalde ir ye kate nya fo baba fo. Tali kusi inde game wato har ko lobu gaka ka kandir se bon fera lo kol kur won era kan irgo inde zankaino nangu fo amma sabaka sinai kan si inde game ra wallahi kala ina zankai ka wati kulun da kusuma wati kulun da yanje amma songo kan ko lobu ka kandir se bon fere tali si inde game ra hala songo inde te nya fo baba fo ya hi jaino idu inde no chebeino idu inde no ala ato irse habana yan hinchini habana yan kan irga sambuka no ise kani oga ya dinga alhamdulillah din do dai kati hon kun dai non kai go za gomnik kanu fote yon kwar kwar ai gadiya ai portable ora so dai suru zarma ka aran fundin dai bore ngono di kai inde kul group follow so za idu bon ai fo fitira fo kan ina bon zano di gin kacci group ora ir modir mara da dum te ir kwari gi kyan sakate gaskiya mu ga halin yanzu ma sai in ce muku ko mai gari ya tabbatar da yanzu cikin shekara da waya yake shari'a uku sadda ko ana kara zuba dan yayi ma 100 yayi kadan amma yanzu an gane mai juna wanga sasanci da ya samu shigowa ga club din tara gaba 100% irin yanda ba mu zato. Pas de temps à perdre car la route est longue jusqu'à notre prochain village, Tintabarade, dans la région de Tawa, très affectée par l'insécurité et le manque d'opportunités économiques. La crédit wahil, arada kalab temekil, almagane ni tar tuimos. Tu dois nakel, tu gâtes gâtes ton modre, tu dois namma se toucheri, tu gâtes gâtes ton adeni dumirde. Izza tankara tsamar kistana, ta sa sa sikiat kara tuimane, tu wale 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 wale. J'ai fait 27 ans dans le développement. Moi, qui vous parle, j'ai fait des projets, j'étais animateur, j'étais encadreur, j'étais tout, développeur. Mais votre approche m'a beaucoup, vraiment plu. L'approche
que vous avez club là. Vraiment, c'est très bon. Donc, vraiment, les gens discutent entre eux, parlent du développement de leur terroir. Et c'est ça l'essentiel. Donc, les femmes, les jeunes, les adultes, les vieilles, tout le monde. Comment on va faire pour développer nos zones? Et ben, les fruits sont là, les résultats sont là. Aujourd'hui, on parle des activités. Je vois AGR, je vois maraîchage, je vois petit commerce, je vois commerce du bétail, je vois vraiment plusieurs activités dans les villages. Et ces activités aujourd'hui ont donné les résultats. Et c'est des résultats vraiment qu'on a touchés du doigt, palpables, visibles. Et c'est vraiment grâce à votre approche. Et je l'ai dit, si les autres partenaires ont la même approche que vous, il n'y aura pas ce problème de pérennisation. J'avoue que les activités que vous avez initiées avec cette approche-là, c'est des activités qui seront pérennes. Et là, je suis très content de ça. Ce que vous faites au niveau de ces 5 villages-là, vraiment, c'est extraordinaire. Merci, chers partenaires. J'espère que vous avez apprécié cette visite des clubs d'Imitra. Je vous dis à bientôt. Bye bye.